all I have to do, all I want to do, and take the opportunity to do each time the younger generation is involved in any discussion, is to remind them that in the 1960s, in the early, pre-1960s, the eve of independence, meeting new young people, I mean, then young people, our generation, slightly older, seeing Africa coming together and so on, we felt, and I've used this expression before, we felt we were giants. We felt we were the Renaissance people, about to reinvent not merely Africa, but the entire world. That was the mood, that was the optimism with which many of us returned home. And if you look at what has happened since then, you can understand why some of us feel that our generation was wasted. And this whole enthusiasm, this whole commitment, this entire, the grandeur of this vision has been wasted, and the opportunities wasted. The reasons are not very far to fetch, but also things are happening. À la jeunesse. Ça, c'est une question qui se pose souvent. Qu'est-ce que je dois dire aux jeunes Africains? La première chose dont je suis sûr, c'est que je n'ai pas de conseils à leur donner. La seule chose, peut-être, que nous pouvons leur apporter, c'est leur dire notre expérience dans toute son honnêteté. Dire ce en quoi nous avons cru et comment nous nous sommes trompés, comment nous avons raté les choses. À mon avis, pour le moment, c'est le seul message que je me sens capable de dire et que je pense qu'il doit être dit, parce que les erreurs, les fautes que nous avons faites sont certainement beaucoup plus utiles. Parce que ce qui me fait peur et qui serait un gâchis, c'est que la nouvelle génération se fourvoie aussi. Elle ne se fourvoiera pas peut-être dans les mêmes sentiers que nous, mais elle peut se fourvoyer. Et il faut, je crois, là sans doute, nous avons une tâche à dire. Est-ce que le roman suffit? J'ai tendance à le croire, mais je sais que je me trompe.